à tous en tout cas de nous avoir rejoints. Vous êtes nombreux encore aujourd'hui. C'est avec plaisir qu'on vous accueille. Il est 11 h passées, je crois. Donc, on va pouvoir commencer. Juste une petite précision un petit peu. Hein, on a fait le test du son. Vous avez noté qu'on ne vous entend pas. Donc, il faut utiliser la petite fenêtre de chat pour nous contacter et communiquer avec nous. Vous avez aussi une autre fenêtre qui est questions-réponses. Hein, ça, on va garder ça pour la fin du webinaire. On répondra à toutes vos questions. On va aussi un petit peu changer le format par rapport au premier webinaire parce qu'on répondra aussi à des questions qu'on a reçues par email. Donc, si vous aviez posé certaines de vos questions par email, vous allez peut-être les voir en fin de webinaire. En ce qui concerne les autres fonctionnalités du webinaire, vous avez aussi des sondages qui vont vous être proposés au fur et à mesure du webinaire. Et on va commencer un dans pas très longtemps. Juste avant, je voudrais quand même qu'on se présente. Je suis Mansour, je suis Success Manager au sein d'Edmil. Mon rôle, c'est de vous accompagner dans l'utilisation de l'écosystème. Aujourd'hui, je suis avec ma collègue Sophie. Bonjour Mansour. Bonjour, Sophie. Sophie Ménago, je suis product owner pour Edmil, c'est-à-dire que je fais le lien entre l'équipe de production, nos développeurs, nos graphistes et toutes les parties prenantes, c'est-à-dire notre équipe commerciale, le marketing, la direction, etc., pour essayer de produire un produit qui ait une valeur la plus grande possible, c'est-à-dire qui corresponde aux besoins de nos utilisateurs. Super, parfait. Bon, merci beaucoup, Sophie. Pour certains d'entre vous, c'est la première fois que vous nous rejoignez. Donc, on vous propose un petit point sondage, du coup. Vous allez me dire s'il s'affiche à l'écran. Alors, on va lancer ce premier sondage. Donc, la question est très simple. On voudrait savoir un petit peu ce que vous utilisez actuellement comme solution pour créer des contenus de formation digitale. Vous avez les options qui s'affichent à l'écran. Il y en a déjà qui sont en train de répondre. Merci beaucoup. C'est assez varié. Assez varié. Pour l'instant, les réponses donnent quand même une petite tendance majoritaire. Donc, allez-y, on vous laisse répondre à ce petit sondage. On va le fermer dans très peu de temps. Alors, au début, il y avait pas mal de réponses qui donnaient Articulate. Et ça s'est un petit peu modifié. Merci à tous en tout cas pour vos réponses. Je crois qu'il y a 100% des personnes qui ont voté. Alors, déjà, merci beaucoup, ça nous fait vraiment plaisir. Donc, on va pouvoir regarder un petit peu les résultats par rapport à ce que vous utilisez pour créer vos contenus de formation. Alors, au début, il y avait Articulate qui était à 100%. Il y a eu 3 réponses, c'était Articulate. Mais PowerPoint a repris le dessus en fait. On va pouvoir partager les résultats immédiatement avec vous. Et vous pouvez voir qu'effectivement, Articulate et PowerPoint sont les plus utilisés. Après, bon, on est une douzaine de personnes là actuellement sur ce webinaire. Mais en tout cas, ça montre, j'ai envie de dire, la variété qu'il y a hein, dans tous les outils. Parce qu'effectivement, PowerPoint, Articulate, Adobe, bon, on est quand même sur des outils assez différents. C'est ça, du plus simple au plus évolué en termes notamment d'adaptabilité à l'apprenant avec Articulate. C'est très intéressant. Merci. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, non, c'est vraiment, vraiment parfait. Merci beaucoup, en tout cas, pour vos réponses. Donc, on parlait, oui, du fait qu'on est sur une multitude bah, d'outils, et puis on voit là aussi, et on sait que c'est un marché qui est en constante évolution. Et pour vous donner un petit peu de background, j'ai envie de dire, sur la genèse d'Edmil, une de nos priorités chez My Serious Game, qui est donc le créateur d'Edmil, l'éditeur d'Edmil, c'était vraiment de valider cette méthode, puisque My Serious Game, pour ceux qui connaissent, est un acteur leader de la formation digitale maintenant depuis plusieurs années. Et on a vraiment voulu faire en sorte, dans ce milieu qui est changeant, avec beaucoup de réformes, on a Calliope là, qui arrive dans très peu de temps. On a vraiment voulu faire en sorte qu'on avait une méthode qui était éprouvée, mais au-delà de ça, qui soit certifiée. Et du coup, on a travaillé avec l'AFNOR, qui est notre organisme national de normalisation, pour établir une certification. Et c'est la première de ce type-là, c'est la certification ingénierie de formation digitale. Donc, on est vraiment très, très fiers d'être les premiers à obtenir cette certification. Nous ne sommes pas les derniers. On espère sincèrement que beaucoup de personnes rejoindront ce mouvement, j'ai envie de dire, très prochainement. En tout cas, nous, on est vraiment très, très heureux d'être les instigateurs et j'ai envie de dire un peu les fondateurs de cette certification.
Et on va voir justement aujourd'hui comment est-ce que cette méthode se retrouve dans Edmile. Donc là, à votre écran, vous avez une petite présentation graphique. C'est vraiment, on a cette méthode qui est le cœur de la solution. Et tout ça, j'ai envie de dire, prend vie via plusieurs fonctionnalités. Et Sophie, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce qu'on a à l'écran? Tout à fait. Donc, on voit comment Edmile peut vous aider dans la création de votre contenu de formation digitale et en répondant notamment à certaines exigences de cette certification. Alors, pas à la totalité, puisqu'il y a une partie de la certification, vous vous en doutez, qui concerne l'ingénierie de formation en amont, le suivi des process internes, la participation de plusieurs types d'expertise à la création de votre contenu. Donc, tout ça, ça ne sert pas, ça ne se retrouvera pas dans Edmile. Néanmoins, ce qu'on retrouve dans Edmile, c'est tout ce qui concerne la création digitale avec les bonnes pratiques, que ça commence par l'outil de création, les questions qu'on lui pose, l'accompagnement avec le conseil, l'inclusion dans notre chapitrage, vous allez le voir, de différents types d'évaluations en amont, en aval, des sondages de satisfaction. On couvre plusieurs niveaux de la pyramide de Kirkpatrick au niveau de nos propositions d'évaluation. Donc, tout ça, vous allez le retrouver dans Edmile. Donc, Edmile est là pour vous faciliter le travail, pour répondre à ces certifications si vous le souhaitez, et même pour préparer Calliope. Après, création, moteur de conseil, on en a parlé. Aujourd'hui, on va repasser rapidement sur ces points et on va plutôt se focaliser rapidement sur la publication et la diffusion. Sachant que si vous voulez revoir ces deux premières étapes en détail, vous pourrez consulter notre premier webinaire. On y va ? Oui, tout à fait. Et juste avant, consulter le premier webinaire, effectivement, pour voir un petit peu plus de détails sur la création. Et aussi, pour vous aider à vous retrouver, j'ai envie de dire, dans cette aventure, Edmile et votre progression pas à pas, on a mis en place très récemment un guide d'utilisation, un guide de prise en main, qui va être mis en ligne très bientôt dans le portail d'aide, dans l'écosystème Edmile. Mais nous allons vous fournir, du coup, juste après ce webinaire, par email, pour que vous puissiez d'ores et déjà, d'une manière vraiment pratique, vous projeter dans l'outil et commencer à créer, à diffuser, à profiter du moteur de conseil, à utiliser les analyses dans Edmile. Voilà, vraiment, encore une fois, de manière très, très pratique et de manière… C'est simplement ce que je voulais dire avant que tu puisses montrer Edmile en action. Alors, hop, je vais juste reprendre la main rapidement. Et à présent, on doit se retrouver avec Edmile à l'écran. Voilà, merci Mansour. Donc, comme je vous proposais, revoir rapidement les étapes de création. Là, on rentre dans notre configurateur. C'est l'expression que vous retrouverez dans le questionnaire de référence, la foire aux questions en quelque sorte, les pas à pas de Mansour. En quelques étapes, en cinq étapes, on va donc vous poser des questions pour vous aider à configurer votre module. Et ces paramétrages que vous allez indiquer ici seront repris, influeront, détermineront la structure des différents paramétrages de votre module par la suite. Donc, on vous propose de choisir un type de formation entre savoir théorique, appliqué, conceptuel, et un peu à part l'évaluation. On vous propose de renseigner vos objectifs pédagogiques. Là, vous les choisissez parmi les verbes d'action de la taxonomie de Bloom. Alors, je vais volontairement, rapidement, mais vous avez trois moyens, en quelque sorte, de retrouver des informations plus détaillées. Ce dont vous parlez, Mansour, des pas à pas très complets. Si vous êtes directement sur l'interface, ce qu'on vous souhaite, vous pouvez consulter nos informations, nos conseils directement sur l'interface ici, et vous pouvez regarder le premier webinaire. Donc là, on va mettre quelques textes de test pour pouvoir passer à l'étape suivante. Néanmoins, l'idée, ce serait d'expliquer ce que vous voulez assembler, schématiser et lister. Sur l'étape suivante, je vous propose de choisir les outils sur lesquels vous pensez que vos apprenants vont travailler. Ça n'est pas bloquant, néanmoins, ça vous permettra après de prendre du recul par rapport à ce qu'ils ont fait dans la réalité. Alors, juste avant qu'on passe à la suite, donc juste avant, tu parlais des objectifs de la formation. Tu disais qu'ils étaient basés sur la taxonomie de Bloom. Tout à fait. D'accord. Et on a un petit sondage, en fait, qu'on avait préparé. On va le lancer pour les personnes qui participent au webinaire.
Et la question est vraiment très, très simple. On voudrait savoir, nous, en tant qu'éditeurs d'Edmile, si cette étape donc, de définition des objectifs de formation basée sur la taxonomie Bloom vous semble être un atout dans l'élaboration de vos formations digitales. Vous avez ce sondage qui est en ligne. Allez-y, voilà, répondez. Pour nous, c'est vraiment important, en tout cas, d'avoir votre retour là-dessus. En tout cas, pour l'instant, c'est très, très positif. On va pouvoir fermer le sondage dans très peu de temps. On va juste laisser les deux dernières personnes qui n'ont pas encore répondu répondre. Vous allez avoir, comme je disais, voilà, quelques petits sondages au fur et à mesure du webinaire pour le rendre vraiment interactif et puis aussi pour nous, parce que c'est très important de vous écouter. Donc, je vais mettre fin au sondage et puis je vais vous partager les résultats immédiatement. Donc, la grande majorité, c'est plutôt oui. Donc, cette taxonomie Bloom, déjà, c'est très rassurant puisqu'elle est connue vraiment à travers de tout le monde. Est-ce que tu as une petite observation à faire par rapport à ça, Sophie, ou est-ce que ça te paraît normal? Est-ce que... Merci pour votre retour, parce que c'est extrêmement intéressant pour nous de voir que c'est plutôt oui, donc pas absolument. C'est intéressant parce qu'on a énormément de pistes d'évolution pour Edmile et on pourrait intégrer plusieurs types de taxonomies. On pourrait permettre l'enrichissement de ces taxonomies avec d'autres apports extérieurs. Donc, on sera ravis de vous consulter de manière un peu plus approfondie dans les prochaines semaines pour en savoir plus sur la réalité de votre préparation de formation en général, par quelles étapes vous passez. Voilà, donc c'est une très, très bonne base. Bon, très bien, parfait. On va retourner dans Edmile, du coup. Tout à fait. Et on va terminer avec cette partie configuration, du coup, du module. Donc, la dernière étape, c'est de choisir d'être accompagné ou non. Si on choisit d'être accompagné, l'accompagnement prendra plusieurs formes et notamment ce chapitrage qui commence par l'harmonisation et qui finit par différentes étapes du protocole de suivi qui contiennent des évaluations à froid et tiède sous forme de QCM. Et la toute dernière étape est toujours une grille d'évaluation critériée. Là, je vais faire un bond vers un module qui est déjà créé pour vous montrer ce que ça donne dans la réalité après avoir travaillé sur un module réel. Mon module, c'est le B.A.B.A. d'une réunion efficace. Ça peut servir à tout le monde. Que j'ai fait en mode accompagné. Donc ici, vous retrouvez ce chapitrage de l'évaluation diagnostique jusqu'à ma dernière étape de protocole de suivi. Voilà. Et les toutes dernières étapes qui sont particulièrement intéressantes pour nous aujourd'hui, consistent en, alors la toute fin du module, au moment où l'apprenant passe par le module, tente sa chance, fait le module de A à Z, les toutes dernières étapes qui vont lui être diffusées, dans un premier temps, c'est la synthèse, avec un rappel des objectifs, et trois sondages de satisfaction que nous vous proposons de manière standard, pour pouvoir vous permettre de gagner du temps, pour pouvoir vous permettre d'avoir ensuite des statistiques consolidées sur vos différents modules. Mais vous pouvez, en tant que créateur de contenu, customiser les questions si vous le souhaitez. Ici, comme je vous le disais, on a déjà tout créé en amont. Donc, vous voyez que le statut de mon activité s'est complété. Du coup, j'ai accès aux différents devices ici qui me permettent de prévisualiser, de mettre dans la peau de mes apprenants pour pouvoir jouer l'activité, soumettre mes réponses et vraiment la jouer de A à Z. Donc, moi, je suis très satisfaite. Valider et ensuite, je vois le retour qu'on donne à mes apprenants. Donc, ça vous permet de vous mettre dans la peau de vos apprenants et éventuellement de faire un peu de réingénierie avant de sauter le pas de la diffusion. Si vous le souhaitez, vous retournez à l'édition et vous dites. Ça vous permet aussi de changer d'avis sur le device, sur le support tablette, mobile, ordinateur que vous imaginez pour la diffusion de ce module. Par rapport au suivi, protocole de suivi, je vous parlais de QCM très simple, voilà, ça c'est mes tentatives d'évaluation tiède et à froid qui seront diffusées à vos apprenants automatiquement à 15 jours, à 30 jours, 60 jours et 90 jours. La toute dernière étape, c'est la grille d'évaluation critériée. La grille d'évaluation critériée, c'est une manière de représenter à l'apprenant, de lui soumettre les objectifs que vous aviez choisis quand vous avez construit votre module et de lui demander de s'auto-évaluer par rapport à l'acquisition et la mobilisation de ses compétences nouvellement acquises dans une situation de travail. Et je vois que nous avons... Justement, oui, effectivement, par rapport au chapitrage, et en même temps, c'est vrai que je voyais la question du coup de Julien
Alors, Julien demande, la partie synthèse n'est pas disponible dans le cas où la fonctionnalité aidée n'est pas possible. Point d'interrogation. Effectivement, la question que j'allais poser, c'était par rapport à ce mode accompagné qu'on a vu juste avant dans la configuration. Tu as choisi de garder le mode accompagné. Du coup, qu'est-ce que ça permet ? On voit qu'il y a un chapitrage qui est mis en place. Ce chapitrage, il est automatique à partir du moment où on est en mode accompagné. Oui. Et si on n'est pas en mode accompagné, est-ce qu'on a toute la partie évaluation, synthèse, protocole de suivi, etc. ? Non. D'accord. Si vous choisissez le mode non accompagné, vous avez en fait un seul chapitre dans lequel vous pouvez mettre des activités et qui seront toutes diffusées au même moment. Donc, vous ne pouvez pas bénéficier des fonctionnalités, typiquement des activités pré-remplies, comme les sondages dont je vous parlais, comme les protocoles de suivi avec les diffusions échelonnées, ni la grille d'évaluation. D'accord. Voilà, Julien. Très bien. Merci beaucoup. Et une autre question que j'avais justement par rapport au chapitrage, c'est les activités qu'il y a par exemple dans synthèse, protocole de suivi, etc. Elles sont automatiquement mises en place par le mode accompagné pour certaines d'entre elles ou pour toutes ou pour aucune ? Toutes. D'accord. D'accord. Voilà. Vous profite pour faire un petit rappel sur l'accompagnement qui prend d'autres formes que le chapitrage. Oui. Si vous décidez de rajouter une activité, on va pouvoir voir des exemples d'accompagnement. Vous avez un accompagnement sur en quoi consiste ce format d'activité. Voilà, qu'est-ce que ça implique. Quand vous passez au choix du type d'activité, eh bien, vous avez des conseils sur la partie droite qui apparaissent. Vous savez peut-être déjà qu'on a deux type d'expertise en interne, on a énormément de chance. On a un chercheur en sciences cognitives et on a des personnes avec beaucoup d'expérience en termes de pédagogie, d'ingénierie pédagogique, nos ingénieurs pédagogiques en l'occurrence. Et donc, on a bénéficié de leur expérience pour pouvoir la retranscrire dans Edmile et vous indiquer quels sont les aspects positifs, les plus de chaque activité, les unes par rapport aux autres. Donc, vous pouvez faire le choix de votre activité en connaissance de cause. C'est un autre type de conseil. Et quand vous arrivez dans votre activité, une fois que vous l'avez choisi, eh bien vous avez des conseils qui apparaissent ici, des conseils de remplissage. Et quand vous vous mettez à remplir certains champs, vous avez des conseils également sur la limitation du nombre de caractères pour faciliter l'ingestion par vos apprenants du contenu. Voilà. Et en plus, juste pour information, on a effectivement l'aide, on a bien vu sur le format audio qui est juste ici, où on indique que les enregistrements, il est conseillé de ne pas dépasser 3 minutes. Là, c'est un exemple vraiment typique et pratique qui est mis. On a une deuxième phase, encore une fois, il y a une validation quand on va mettre en place notre piste audio. Edmile va analyser la durée de la piste audio. Et si on est au-delà de 3 minutes, on va avoir encore un message pour nous dire on peut mettre une piste audio de plus de 3 minutes, mais Edmile va nous dire attention, vous êtes au-delà de 3 minutes, c'est… Ce n'est pas conseillé d'avoir, enfin en tout cas, les apprenants perdent de l'attention lorsqu'on dépasse cela. Donc, on a ces conseils qui sont mis vraiment à différents niveaux et à différents moments de votre processus créatif pour justement faire en sorte que vous l'ayez au bon moment. Petit sondage, c'est parti. Petit sondage. Petit sondage justement sur cet accompagnement, sur le chapitrage, les conseils, sans plus d'introduction, on vous le lance. On serait ravis d'avoir votre avis sur ce point-là. Alors effectivement, c'est vrai que nous, on a pu voir déjà de notre côté certaines données sur l'utilisation, on va dire, du mode accompagné. On voit qu'effectivement, c'est… je ne vais pas dire parce que sinon, j'ai influencé le sondage. On va attendre de voir vos réponses et puis après, je continuerai sur ce que je voulais dire. Mais voilà, c'est bien d'avoir votre retour aussi à chaud. Pour savoir un petit peu ce que vous en pensez et quelle valeur en tout cas vous attribuez, j'ai envie de dire, à cet accompagnement, que ce soit le chapitrage automatique, que ce soit les limitations de caractère qui s'affichent dynamiquement et puis aussi les conseils bien entendu d'utilisation de chaque type d'activité. Donc on a une grande partie, on va dire, de vos retours. Je vais mettre fin à mon sondage et puis vous partager les résultats. Effectivement, bon, c'est pas très étonnant, vous êtes à 80% à nous dire que c'est plutôt quelque chose de valeur, on va dire, d'avoir cet accompagnement et ces conseils. Surtout qu'en plus, on peut les activer et les désactiver, enfin, du moins pour le chapitrage automatique, parce que le mode accompagné n'est pas obligatoire, hein, j'ai envie de dire. Mais du coup, effectivement, sans le mode accompagné, on perd une partie de la valeur du suivi post, on va dire, post-session, post-module. Quoi qu'il en soit,
Je vous remercie encore une fois d'avoir participé à ce sondage et on va pouvoir retourner encore une fois dans le produit. Sophie, je te redonne la main. J'en profite pour répondre à votre question, Quentin. Peut-on désactiver certains chapitres en mode accompagné? La réponse est oui, on peut désactiver l'évaluation diagnostique et l'harmonisation à ce stade. Je vais finir cette démonstration en bouclant la boucle. Oui. Ici, donc, j'ai créé une nouvelle activité que je n'ai pas remplie. Je vais simplement la supprimer. Et toutes mes activités sont au statut complété. Toutes les activités que j'ai créées, bien sûr, parce que si j'en ai trop, je peux les supprimer. Voilà. Et du coup, le bouton « Publier » devient actif. Je peux donc passer à la publication de mon module et j'arrive sur une nouvelle page où je vais faire quelques paramétrages qui vont concerner la publication de mon module. Je vais d'abord passer mon module au statut publié, comme ça il sera accessible et diffusable dans les sessions. Je vais choisir le parcours. Alors, je vois qu'il est déjà dans un parcours, c'est ce que j'avais prévu, donc ça, je ne vais pas le changer. Je peux en rajouter si je veux l'ajouter dans plusieurs parcours. Quelle est la durée prévisionnelle de mon module? Je peux choisir le nombre de passages de chaque apprenant sur ce module. Est-ce que c'est un nombre limité ou complètement illimité? Illimité correspond peut-être plus au partage d'un processus de référence auquel on voudrait que les apprenants se réfèrent régulièrement plutôt qu'à une formation à durée limitée. Et enfin, le score minimal pour valider le module. Par défaut, la complétion à 100% est le seul critère nécessaire pour valider le module. Néanmoins, si je change le paramétrage, je peux choisir un taux de réussite aux activités d'évaluation minimum pour que mon module soit réussi. C'est ce que je vais faire dans ce cas-là. J'enregistre. Je reviens sur mon module si je dois faire des ajustements. Donc, le parcours, en fait, c'est un ensemble de modules, c'est ça? Tout à fait. Parce que je vois qu'on peut ajouter du coup un parcours. Et l'ajout à un parcours est, pour pouvoir le diffuser est obligatoire? Tout à fait. Donc, il faut intégrer le module dans un parcours ou plusieurs. Et ensuite, c'est ce parcours qu'on va aller prendre, Mansour, pour le mettre dans une session. Une session, c'est simplement un groupe d'informations. C'est-à-dire un parcours, donc ici mon parcours s'appelle conduite de réunion parcours débutant, un nom session que je vais appeler réunion février, par exemple. Je choisis un groupe au choix, je vais me mettre aussi, comme ça on pourra faire la démo. Je choisis un responsable. J'indique les plages de disponibilité. Donc, on voit que par défaut, je n'ai qu'une date de démarrage, c'est-à-dire que la validité sera illimitée, mais je peux également insérer une date de fin. Et j'envoie un email ou non aux apprenants concernant cette session. La session a bien été créée. Comme moi, en tant que créateur de contenu, je me suis mise dans les groupes d'apprenants, eh bien, je vais avoir accès à cette formation et je peux passer directement en mode apprenant ici pour pouvoir jouer le module que je viens de créer dans la session que je viens de créer. Christophe, vous demandez si, au sein d'un module, y a-t-il une gestion des prérequis? Exemple, faut-il compléter toutes les séquences précédentes afin de pouvoir faire les évaluations? Alors, si vous parlez du point de vue créateur, absolument pas. Vous pouvez créer dans tout ce qui est dans l'ordre qui vous plaît. Par contre, en tant qu'apprenant, oui, tout à fait. C'est un ordre séquentiel au sein d'un module. Si vous souhaitez donner accès à une série de contenus que l'apprenant pourrait consulter à la carte et après l'évaluation, on vous conseille plutôt de créer des petits modules, des tout petits modules séparés, et vous pourrez donner accès comme vous le souhaitez dans des parcours différents. Et donc là, au lieu d'avoir uniquement cette carte ici, vous auriez autant de cartes que de contenus que vous laissez à disposition des apprenants et vous auriez une dernière entrée qui serait l'évaluation. C'est la meilleure solution, mais si ça vous intéresse, on peut en parler de manière un peu plus approfondie. Merci Christophe. Je vais vous montrer du coup rapidement ce que ça donne côté apprenant. Donc je retrouve les informations qu'on a paramétrées ensemble, le score minimal de validation, le temps et le nombre d'essais. Comme ça, l'apprenant est complètement conscient de ce dans quoi il s'embarque. Et je lance mon module. Donc là, je suis sur ordinateur, mais l'apprenant peut très bien se connecter sur une tablette ou un mobile. Je retrouve encore les informations, la description que j'avais renseignée. Et voilà, je me lance, j'ai une introduction, j'ai un premier quiz sous forme de glisser-déposer.
avec un feedback, l'activité image narrative, l'activité accordéon de texte, etc., etc. On a 22 activités, on ne va pas aller jusqu'au bout ensemble. Néanmoins, c'était pour vous montrer à quel point ça peut être rapide de prévisualiser dans beaucoup de contextes différents et de mettre à disposition de prenants réels un module que vous venez de créer. Et l'avantage qu'on vient de noter, c'est que tu es sorti du module et on voit que la progression est à 18%. Donc, ça veut dire que l'apprenant, il peut lancer son module. S'il doit l'arrêter pour quelque raison que ce soit, il a juste à sortir et quand il reviendra, il reprendra là où il a arrêté. Ça fait. D'accord. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophie. C'est parfait. Je vais simplement revenir à la présentation. N'hésitez pas, commencez déjà à nous poser vos questions en utilisant la fenêtre de chat ou la fenêtre de questions-réponses. Oui. Quelques questions avant d'attaquer celle qu'on a reçue par email. Quelques questions. Parce que j'ai encore repéré. Ouais. Jean-Marc, vous nous demandez si les activités que nous proposons sont-elles figées. Alors, figées, oui, pour l'instant. C'est-à-dire qu'on vous propose 17 activités différentes, qu'elles soient complètement libres ou pré-remplies. Les seules qui sont pré-remplies, pour être tout à fait clair, ce sont les sondages et les sondages, en fait. Et puis, la grille d'évaluation critériée qu'on a vue en dernier. Les autres activités sont des activités standards. Je vous invite à regarder ce qu'il y a dans Edmil et nous faire part de vos retours si ça ne correspond pas à la réalité de votre utilisation d'activités. On est tout à fait ouvert. Julien, vous nous demandez si on a une visibilité sur la mise en production de l'export des résultats sous SCORM. On ne préfère pas vous donner de date. Par contre, dès qu'on a une date, on vous la communique. À quand la gestion d'une blended ? C'est excellent comme question, Quentin. C'est d'ailleurs une question qu'on a, je ne sais pas si on peut jumper à la dernière question. C'est la dernière question qu'on avait prévue parce qu'on l'a aussi reçue par email. Merci Mansour. Donc, est-ce qu'on gère le blended dans Edmil ? Alors, oui et non. C'est-à-dire que non, dans la mesure où on n'a pas de fonctionnalité dédiée, par exemple, au présentiel. On n'a pas d'équivalent de moyens de passer du contenu passif et de le diffuser comme du moins on aimerait le faire avec de l'interactivité en face à face, etc. Mais oui, dans la mesure où si vous utilisez, et c'est ce que nous a dit le sondage en début de webinaire, si vous utilisez PowerPoint pour vos formations présentielles, vous pouvez très bien compléter ces formations présentielles avec un module en amont, un module en aval, une évaluation, etc. Donc vous pouvez utiliser Edmil pour le blended, même si pour l'instant, vous ne pouvez pas mettre la totalité de votre contenu dans Edmil. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Sophie, et merci beaucoup pour vos questions. On vous laisse continuer à en poser quelques-unes. Pour l'instant, on va répondre sans doute aux questions qui nous ont été posées par email. Tu vas essayer de le faire, Mansour ? De poser des questions ou d'y répondre ? D'y répondre. Bah, allez, c'est parti. Comment on dirait de la période d'essai ? Alors, la durée de la période d'essai est illimitée. Si je ne dis pas de bêtises, la durée de la période d'essai est donc limitée, je répète. Simplement, la différence qu'il va y avoir entre la période d'essai, la version donc, gratuite et la version professionnelle d'Edmil, ce sera le nombre d'utilisateurs. La version gratuite étant limitée à 20 utilisateurs et la version payante disposant de 200 sièges apprenants, si je ne dis pas de bêtises, par défaut. Voilà, auquel on peut ajouter des packages et rajouter de nouveaux utilisateurs, de nouveaux apprenants. Parfait. les 20 utilisateurs en la version d'essai ont-ils un accès illimité ? Un accès illimité, oui, ils ont un accès totalement classique et normal, j'ai envie de dire, par rapport à la version professionnelle. Vos 20 utilisateurs auront accès à tous les modules que vous leur attribuez dans leur mode apprenant. Hein. Oui, la réponse est oui. Peut-on faire de la conception de vidéos pédagogiques directement sur la plateforme ? Alors, faire de la conception de vidéos pédagogiques directement sur la plateforme, dans l'absolu, non. L'outil de création n'est pas un outil de création vidéo à proprement parler. Par contre, il est toujours possible de transférer ou du moins de modifier un petit peu, de reprendre les vidéos que vous avez déjà pu créer et de les refaire en module Edmil, c'est-à-dire parce que vous pouvez mettre en place des vidéos, des images, etc.,
dans vos modules. Donc, vous pouvez reprendre un petit peu vos vidéos existantes et les mettre en forme de modules. C'est manuel, hein, bien entendu, ce que je suis en train de dire. Il n'y a pas de upload automatique et de transformation automatique. Mais en tout cas, en tant que tel, l'outil de création, nous, on n'est pas un outil de conception vidéo en soi. Tout à fait. C'est-à-dire que vous pouvez importer vos vidéos telles quelles dans les activités vidéo en quelques clics, dans la limite de 100 mégas. Tout à fait. On va passer à la question suivante que je découvre. Est-il possible de mettre le contenu à disposition sur un ou une LMS? Alors, il faut savoir déjà qu'Edmil inclut déjà une partie LMS, comme on l'a vu. On a une bibliothèque du contenu qu'on crée et on peut le diffuser aux apprenants. En ce qui concerne la mise à disposition de ce que l'on crée dans Edmil dans une LMS externe, dans une autre LMS, tu en parlais tout à l'heure justement des fonctionnalités d'export qui ne sont pas encore en place dans l'outil, mais sur lesquelles nous sommes en train de travailler et qui sont une de nos priorités. Dans l'immédiat, je dirais que ce n'est donc pas possible dans une LMS donc externe à Edmil, mais qu'en tout cas, on y travaille. Comment s'effectue le suivi des apprenants? Le suivi des apprenants, il y a plusieurs outils qu'on n'a pas montré aujourd'hui et qu'on montrera dans un prochain webinaire qui sont mis à disposition. C'est la partie analyse, la partie statistique. Donc, vous avez un onglet dans Edmil qui est statistique. Et à partir de là, en fait, vous pouvez suivre vos apprenants et ce qu'ils ont fait dans les différents modules, parcours et sessions. Je ne vais pas vous montrer parce que ce serait un petit peu spoiler notre prochain webinaire. Et puis, je pense qu'on a eu quand même une présentation assez chargée avec pas mal d'éléments à retenir. Donc, ça ne ferait que compliquer les choses. Mais en tout cas, voilà, vous avez la possibilité dans Edmil, par défaut, sans que ce soit vraiment compliqué, simplement avec quelques clics, vous pouvez voir de manière générale le taux de réussite de vos apprenants, leur taux de satisfaction selon les réponses qu'ils donnent aux différents sondages. Et vous pouvez, alors ça vous pouvez le voir de manière générale, mais vous pouvez aller vraiment très très loin dans la granularité, parce que vous pouvez filtrer sur un parcours précis, un groupe d'utilisateurs précis, ou voire même un utilisateur précis. Et du coup, en fait, vous pouvez vraiment voir sur tel module qui a été fait à telle date par tel utilisateur, quel était son score de réussite et son taux de satisfaction et même son taux d'hésitation. On en reparlera un petit peu la prochaine fois, parce que Edmil inclut en fait certaines statistiques, j'ai envie de dire novatrices, hein, clairement. Voilà, donc je réponds à la question, en même temps je tease un petit peu ce qui va arriver. Voilà, j'espère que la réponse était claire en tout cas. Merci beaucoup pour cet avant-goût, Vincent. Merci beaucoup. On a deux autres questions qui nous ont été posées à part. Je pense que vous ne les voyez pas dans le chat commun. À qui appartiennent les cours créés sur la plateforme, au formateur ou à Edmil? Au formateur, plus précisément à l'administrateur de la plateforme, Edmil ne récupère en aucun cas les droits de propriété intellectuelle de ce que vous créez sur Edmil, c'est uniquement à vous. Voilà, tout à fait. Juste pour préciser, il faut savoir que donc, ce qu'on vient de voir, la création, etc., ça, vous l'avez dans votre propre organisation, en fait. L'application Edmil est silotée, entre guillemets, pour chacun de vous, ce qui veut dire que ce que vous créez n'est pas accessible par un autre formateur ou quoi que ce soit et encore moins diffusable. Parfait. Et Alain nous demandait l'export, les résultats en SCORM. Quel SCORM? On aura deux SCORM, on est en train de peaufiner ça. Et pourquoi pas XAPI? XAPI, ce serait tout à fait possible. Ce que nous, on utilise XAPI, c'est simplement un besoin qu'on a moins eu pour l'instant. Si c'est votre besoin, Alain, n'hésitez pas à nous en faire part. C'est quelque chose qui nous intéresserait beaucoup, puisque XAPI, c'est un peu l'arlésienne, tout le monde en parle. Très peu de gens, en fait, le mettent en place. Et le challenge avec XAPI, si vous connaissez un petit peu cette norme, c'est que c'est une norme pas normée, ce qui est une norme paradoxe. Ça rend les échanges assez compliqués. Nous, on l'utilise parce que ça nous permet, comme disait Mansour, de rentrer dans une granularité extrêmement fine de tracking des informations. Néanmoins, on n'a pas pour l'instant eu de l'interlocuteur en face avec lequel on s'est dit, bah oui, pour l'export, ça va être utile puisque la personne en face va pouvoir récupérer nos datas. Si telle est votre situation, on serait ravis de travailler avec vous sur le sujet.
D'accord. Merci, Julien. Oui, très bon retour. Julien vient de nous dire dans la fenêtre de chat au sujet de la propriété intellectuelle, que c'est peut-être un petit peu mal expliqué dans les CGV, parce que Julien se posait apparemment exactement la même question. Je pense que c'est en réponse enfin, du moins pour agrémenter la question qui était sur à qui appartiennent les cours créés sur la plateforme. En tout cas, c'est quelque chose. Merci pour ce retour. C'est très important pour nous que les choses soient claires et transparentes. Donc, je vois que Sophie a noté ça avec vigueur. on va mettre ça au clair. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alain qui dit que les formations doivent répondre à sa certif Calliope. Donc, je pense que c'est par rapport à SCORM et XAPI. Tout à fait. Très bien. On va retourner simplement sur la présentation à l'écran. On parlait un petit peu tout à l'heure, tu as donné ta petite feuille de route. D'autres choses un petit peu plus générales par rapport à Ednil et par rapport à nos communications et comment nous retrouver. Du 17 au 19 mars, nous serons au salon e-learning expo, Porte de Versailles à Paris, sur le stand A36. Donc vous êtes bien entendu les bienvenus, venez nous voir. C'est vraiment important pour nous de vous rencontrer. Donc on y sera sur les 3 jours du salon. En mars 2020, il y aura un troisième webinar, puisque notre objectif, c'est d'avoir un webinar chaque mois, c'est un rendez-vous mensuel. Je ne sais pas si vous aviez vu, il y avait ce mois-ci une newsletter qui est partie, qui s'appelle Ednil, pour savoir un petit peu ce qui se passe dans l'écosystème et ce qui arrive. Attendez-vous donc en mars 2020 à avoir une deuxième newsletter à ce sujet-là. Et bien entendu, à n'importe quel moment, j'ai envie de dire, c'est vrai qu'on est 2020, mais c'est toujours la même chose. En tout cas, c'est toujours disponible. Vous pouvez nous contacter à contact@ednil.com. C'est d'ailleurs de là que viennent les questions qu'on a présentées juste avant. Et vous avez aussi le bouton d'aide dans l'écosystème, hein, qui est en bas à gauche sur Ednil, que vous soyez dans la création, que vous soyez dans la bibliothèque ou partout, ce lien est accessible tout le temps. Et il vous permet du coup de nous contacter et puis bientôt d'avoir accès à tous les guides de prise en main et à notre série vidéo qui est en cours de finalisation. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on termine ce webinaire? Je n'en vois pas. En tout cas, maintenant, vous avez contact@ednil.com. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à nous partager vos retours par rapport à ce que vous avez vu au sujet du webinaire, au sujet de cette présentation et au sujet de l'écosystème. C'est avec plaisir, en tout cas, qu'on les reçoit. Sophie ? Merci beaucoup pour votre participation. Merci particulièrement à Alain, Sylvain, Christophe, Quentin, Julien, Jean-Marc pour toutes vos questions et votre participation. Si vous avez des questions, effectivement, comme disait Mansour, n'hésitez pas. Et on aimerait bien avoir une dernière fois votre opinion avant de vous laisser. Donc, merci encore pour votre participation. On vous donne rendez-vous très rapidement. Oui, donc l'opinion qu'on souhaiterait avoir, c'est par rapport à ce que vous allez faire, en fait, tout simplement avec Ednil prochainement. On souhaitait savoir si vous planifiez de diffuser une formation via Ednil dans les prochains jours, prochaines semaines. On vous laisse répondre. Pour l'instant, on a très peu de réponses. Mais en tout cas, pour nous, c'est très important. Et si vous avez besoin d'accompagnement ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous l'indiquer en privé ou par email. Ce sera avec plaisir en tout cas qu'on vous recontactera. Alain qui nous dit merci, on se verra au salon du coup, bon après-midi. Bah, merci beaucoup, bon après-midi à vous Alain, puis à très bientôt du coup au salon. Simplement, je vais terminer ce sondage, le dernier de notre webinaire, et partager les résultats. Donc là, pour l'instant, la création, diffusion de formation via Ednil, vous êtes 33% à nous dire que c'est très probable que vous allez créer et diffuser une formation. Merci beaucoup. En tout cas, si dans cette aventure-là, vous avez quelques questions que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter. On a 11%, donc une personne qui nous dit que c'est peu probable, et 5 qui nous disent « je ne sais pas ». Donc effectivement, il y a encore un petit peu de test, je suppose. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Je pense que vous souhaitez peut-être mettre en place encore des tests et voir un petit peu ce dont est capable la plateforme. Et comme toujours, je le répète parce que c'est important pour nous, n'hésitez pas à nous solliciter. Vraiment, on est là pour ça en tout cas. Tout à fait. Vous le savez, notre produit est jeune. Notre produit a éclos en janvier. Donc, on a un mois. C'est pour ça que notre produit, on a beaucoup d'avantages. C'est-à-dire que
on a pu aller directement sur des fonctionnalités clés sans se traîner une dette technique ou fonctionnelle énorme. On a aussi les inconvénients pour l'instant de notre jeunesse, donc il y a énormément de choses qui restent à faire et c'est pour ça qu'on a besoin de vos retours. Donc si vous hésitez à utiliser Mille, dites-nous pourquoi. N'hésitez pas à nous envoyer des commentaires ou des fonctionnalités qui vous seraient nécessaires, dans lesquelles vous vous projetez, du type d'activité comme on suivait tout à l'heure. On est à votre écoute et on serait ravis de continuer les échanges avec vous. Merci beaucoup, Sophie. Pour moi, en tout cas, ça a été encore un plaisir de faire cet exercice avec toi. On se dit donc dans un mois. Dans un mois. Et ouais, très bonne journée en attendant. Merci beaucoup. Au revoir à tout le monde. Au revoir.